Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Ok, on est prêt pour partir. Aujourd'hui, c'est le glacier de Nigasbrin. Et c'est parti. Marie, tu peux m'ouvrir la porte. Le portail. Ah bah oui. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petit. Quand mon père, il rentrait, il klaxonnait, il fallait sortir, lui ouvrir la porte. Le portail. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one. Alors là, on a pris le tunnel le plus long du monde. Il fait combien? 24 km. 24 km. Et demi. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Là, on s'approche du glacier. On peut déjà voir les eaux qui en descendent. Ces couleurs vert émeraude. Magnifique. Alors, nous voilà au parking. Au plus proche du glacier qu'on voit derrière. Donc on va descendre, normalement on va prendre un petit bateau sur ce lac qui va nous rapprocher de l'autre côté. Et puis on va grimper jusqu'au glacier. Ici on a de la chance, il ne va pas pleuvoir. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Les enfants étaient courageux, ils sont montés jusqu'en haut sans faire de chichi. Maintenant on revient au parking et on repart vers je me rappelle plus l'endroit où on va, mais c'est pas loin d'ici. On est arrivé au camping. Magnifique. On a notre hutte qui donne sur la cascade, la petite cascade là, les montagnes. Magnifique. On est content. Là, on est descendu à la plage de l'hôtel, la plage du camping. Magnifique. Le fjord derrière moi. Thank you.
Ok, c'est l'heure de départ. Maintenant, on part au Geiranger Fjord. Victor. C'est parmi les fjords les plus connus, je crois, de Norvège. Donc, on est tout excités. Oh. On est arrivé à Hellesylt. Et de là, on va prendre la croisière à travers le Geiranger Fjord et jusqu'à Geiranger. C'est pas magnifique ça? Je crois que le bateau, il doit arriver... Enfin, je sais même pas par où il va arriver. En tout cas, on va traverser les fjords ici, faire un tour, et je crois qu'on va passer derrière ces montagnes-là. Ah, ça va être super. J'espère que le temps restera ensoleillé, par contre. On s'approche de Geiranger. On va passer de nuit. Ça a l'air super. Donc nous sommes venus par là. Et on a suivi le fjord jusqu'au fond pour arriver à Geiranger qui est là-bas. On est dans notre camping. Les enfants jouent déjà. Bonjour. Aujourd'hui, avec mon mémé, on va louer un petit bateau. Émile va tenir la barre. Et moi, je vais faire des photos de la cascade des Sept Sœurs. Toi, tu me conduis, Amy. Ça te va? Ouais. Tu sauras conduire? Facile. Fastoche. À tout à l'heure. Fait la course avec le MSC Grandiosa. Là, on rentre. On a fini notre tour. C'était super excitant. Émile qui conduit. J'arrive pas à être droit. Pas mal. T'es à l'aise? Oui, à l'aise. D'accord. Bon, bah, on se voit après. Alors là, on est dans la chocolaterie de Geiranger. Elle est très connue, très, très appréciée. Il y a plein de croisiéristes qui sont là. Donc ils font du vrai chocolat chaud, donc du lait avec des morceaux de chocolat qu'ils font fondre à l'intérieur. Et c'est super bon. Ils font aussi une spécialité locale avec des gaufres, avec le caramel, chocolat. C'est pas mal le coin, il est super. Il était bon le chocolat. Il y a même un gâteau avec des fleurs et des têtes de mort et tout ça.